Bonjour à tous, c'est Espremer & Co. Aujourd'hui, on se retrouve pour un deuxième tutoriel comment gagner des gammas. Et aujourd'hui, ce sera pour crafter des bougies du mineur sombre et revendre les runes. Alors, il faut trois choses, quatre choses. Pour commencer, de la magnésite. Donc, je vais vous montrer la recette. Amulette, non, je vais chercher ici. Bougie, non, c'est pas ça. Je ne sais plus le nom par cœur. Je vais mettre mineur. Voilà. Amulette du mineur sombre. Voilà, donc elle fait de la prospection, ça vous donne des runes prospection, des runes chance petites, moyennes et grandes. Et les résistes, ça on s'en fiche, c'est du négatif. Alors donc, vous devez crafter, vous devez, pardon, avoir des ébonites, du bois d'olivier et du bambou. Et pour finir, de la magnésite. Alors comme vous voyez, le prix total, en regardant les prix minimum, enfin moyen, on arrive plus ou moins à 8000, 9000 kaba pour une bougie. La bougie vaut accessoirement plus cher en prix moyen. Et on va tous les concasser. Alors pour commencer, on achète de la magnésite. Ici, il n'y a que des lots de 10. Je vais voir combien je peux en acheter. Je commence par en acheter 30 car j'ai pas beaucoup de pods, comme vous pouvez le voir, et qu'il n'y en a pas beaucoup plus. Ensuite, de l'ébonite. Ébonite, voilà. Ici, j'achète un lot de 100, ça coûte moins cher. Ah, en fait, je peux pas, j'ai pas du tout assez de pods. Donc je vais aussi en acheter 30. Vous pouvez, si vous avez plus de pods, en acheter directement par lot de 100. Ça va être un peu plus rapide. Et en plus, bon, en plus, vous pouvez faire quelques réductions si vous achetez des lots de 100. Des fois, c'est un peu moins cher. Alors maintenant, de l'olivier. Voilà. J'achète un lot. Et encore du bambou, j'avais dit. Voilà. Des planches de bambou. Une fois que vous avez tout ça, vous allez donc crafter l'amulette. Vous pouvez demander à un artisan. Vous trouverez plein d'artisans directement dans le registre. Comme c'est une amulette 4 cases, ils vous feront payer rien. Ce sera juste pour monter leur niveau. Et en plus, si vous êtes bijoutier, vous pourrez monter votre niveau grâce à ça. Alors ici, je vais améliorer une amulette. Pardon, créer une amulette, voilà. Alors, mineur. Et maintenant, j'en crafte 25. À cause du bois, je peux pas en crafter plus. Il va me rester ça. Fusionner tout. Donc, ça va me faire un peu d'XP déjà. Et je pourrais revendre les runes. Ça devrait faire pas mal de bénéfices. J'ai pas tout calculé. Je vais vous dire ça ensuite. Ça dépend aussi du cours, mais en tous les cas, c'est assez profitable. Et il n'y a quand même pas besoin de trop d'investissement pour en faire. Là, vous voyez. Pour plus ou moins. Enfin, vous pouvez déjà en faire par lot de 10. Donc, rien que des lots de 10, ça peut vous coûter vers les 90 000 kamas, donc très peu d'investissement. Et vous verrez combien ça va faire de kamas à la revente. C'est absolument magnifique. Pour ne pas dire autre chose. Alors, à l'atelier des forges-mages, ensuite, vous entrez et vous allez concasser toutes ces amulettes. Alors, prisez un objet. Voilà. Et vous concassez tout ça. Vous pouvez aussi prendre plus d'objets, par exemple, et les stocker sur votre monture, pour ensuite les récupérer, afin de faire moins d'aller-retour. Alors ça met un peu de temps à entrer, priser. Ensuite, ça vous donne un fragment magique que vous devrez ouvrir. Voilà. Et encore quelques-unes. Donc là, j'ai créé 25 amulettes, je vous rappelle. Plus ou moins le prix de départ, c'était 44 000 les magnésites et 20 000 les ébonites. Pour donc 10, ça fait déjà 64 000. Plus encore les autres trucs qui coûtaient plus ou moins. Donc on va dire qu'on peut s'en sortir à 80 000 kamas pour en crafter 10. Ensuite, vous avez. Je vais juste vérifier que je n'ai pas déjà des runes de forge magie. Fois j'ai ça sur moi, je sais pas pourquoi. Non, je n'en ai pas. C'est bon. Alors, j'ouvre les runes, double-cliquez dessus, tout simplement. Et mes pods augmentent, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, vous aurez donc un paquet de runes. Des runes rachat, pacha, chat, pas prospect et prospect. Maintenant, regardez donc le prix en attel de vente et vous comprendrez. Vous pouvez donc en faire beaucoup plus pour rentabiliser encore plus, mais dans tous les cas c'est très profitable. Alors rune chat. Voilà, rune chat. Rune ça vaut pas grand chose, vers les 6000 kamas.
un peu plus, il y en a, donc on pourrait dire ça fait déjà 8000 kama. Les ruines Pacha, ça fait, bon, disons, ça coûte 2000 kama les 10. On multiplie ça par 5, ça fait encore 10 000, ça fait donc 18 000 kama, un peu plus, plutôt 20 000 kama, donc ça fait déjà 28 000, pardon, ça fait 20 000 kama, oui. Et les runes chat, rachat, on en a donc 10, 14, à 6 000 kama U, ce qui fait 72 000 plus 20 000, donc ça fait déjà 92 000 kama. Ensuite, on passe aux runes prospect. Là, vous verrez, ça va être intéressant. Les runes prospect, simple. Vous avez 92 runes, ce qui fait pour 200 000 kama de runes approximativement. Vous voyez ici 250 000 kama, 256 000. Bon, c'est le prix moyen, donc ça a plus ou moins augmenté ou baissé. Donc on arrive déjà vers les 300 000 kama, plus encore l'EPA prospect, il y en a 16. L'EPA prospect, elle va également très cher, comme vous pouvez le voir, donc on peut compter vers les 200 000 ici, 240 000. Donc ça fait vers 500 000 kama pour seulement 90 000 kama d'investissement, donc 400 000 kama de bonus, très rapidement, donc si je vais les mettre en, je les mettrai en vente plus tard. Et ça se vend très rapidement car c'est des runes, beaucoup de personnes cherchent la forge magée, donc c'est vraiment très avantageux. Alors je vous conseille cela si vous voulez vous faire des kama rapidement, ou même de toute façon pour monter votre métier. Alors c'était Esprem et Anko, j'espère que ce tuto vous a plu, regardez aussi mes autres tutoriels comme celui sur l'élevage, ou encore mon autre sur comment faire des Gelano plus 130 Vita. A bientôt pour une autre vidéo tutoriel, donjon, Colisée ou autre.